lantambo akongoloma solo alingi ne koboma opanza pe koyiba bontango na yetikali moke. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous avons chanté avec le groupe de louanges. Tulimba na kundi ya sifa. Je suis enfant de Dieu. Niko mutoto wa Mungu. Alléluia. Amina. Il a fendu alipasula la mer de la peur. Bahari. Alléluia. Amina. Et il y a noyé la peur. Na alizamisha boga ndani ya bahari. Alléluia. Amina. C'est pourquoi le compositeur dit, je peux chanter que je suis enfant de Dieu. Ndio mtunga nyimba anasema ndeza kuimba kama mie niko mtoto wa Mungu. Alléluia. Amina. Que c'est une grâce extraordinaire. Na ni neema kubwa sana. Ça ne peut venir que de lui. Natoka mpaka tu kwake. Le source de toute grâce. Chemuchemu ya neema zote. L'auteur de notre être. Ndio alifanya tukue yako. C'est lui qui vient de permettre que ce matin nous puissions encore nous réunir en sa présence. Alirusa subira tukusanyika katika wapo wake leo. Que nous lui sommes sincèrement reconnaissants. Na tukue na shukrani sana. Pour ses bienfaits. Kwa ajili ya mema zake. Et ses hauts faits. Na makubwa yake. Nos excuses si un protocole peut venir récupérer les photos, remettre à Papa Balouko. Je crois qu'il est en train d'arranger le certificat de baptême. Alléluia. Amina. Oui, nous disons que nous rendons grâce au Seigneur. Tunasema kama tunashukuru Bwana. Pour cette opportunité qu'il nous accorde. Kwa hii nafasi anatupatia. De nous tenir devant vous. Ya kushimama mbele yenu. Pas parce que nous avons trop de mérite. Aina sema tunastahili sana. Mais c'est par pure grâce. Lakini ni kwa neema tu. Alléluia. Amina. Nous bénissons son nom aussi pour notre berger le pasteur. Tunabariki jina lake pia kwa ajili ya mchungaji wetu. Qui nous a accordé cette occasion. Alitupatia hii nafasi. Pour que davantage. Ili zaidi. Nous nous exerçons. Tufanye kazi. Alléluia, nous sommes à l'école de Dieu. Toku masomo ya Mungu. Une école par excellence. Masomo mzuri. La meilleure de toutes les écoles. Masomo yanapita masomo yote. Une école qu'il faut aimer. Masomo inapasha kupenda. Alléluia. Amina. Oui, nous bénissons aussi le collège des anciens. Tunabariki pia kundi ya bazee. Tous les diacres, le conseil paroissial. Bashemasi bote na shauri mzima parokia. Toute l'assemblée. Kanisa yote mzima. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Nous avons trois passages que nous allons lire. Tasoma ma mistari tatu. Le premier, nous lisons Colossiens 3, 16. Quand tasoma Kolosai 3, 16. Nous allons aussi préparer Josué 1, 8. Tashapea Yoshua moja munane. Et enfin, nous lirons na mwisho tasoma Jean chapitre 1, de 1 à 6. Yohane sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 6. Colossiens 3 16 nous lisons. Wa Kolosai 3 16 tunasoma. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Kwa hekima yote mukifundishana na kuonyana kwa za, kwa zapuri na nyimbo za tenzi. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mukimbia Mungu kwa neema mioni mwenu. 1 chapitre 1. Yohane sura ya kwanza. De 1 à 6 nous lisons. Moja mpaka 6 tunasoma. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Katika mwanzo ilikuwa neno na neno ilikuwa pamoja na Mungu na neno ilikuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Uyu kwa mwanzo alikuwa pamoja na Mungu.
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vitu vyote vilifanyika kwa huyu na pasipo yeye hakikufanyika hata kitu kimoja kilichofanyika. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ndani yake ulikuwa uzima na uzima ulikuwa nuru ya watu. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Na nuru iliangaa katika giza na giza alikuishinda. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Palikuwa mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake ilikuwa ni Yohane. Josué 1:8 nous lisons. Yoshua 1:8 tunasoma. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Kitabu iki cha sheria hakitatoka kinywani mwako, lakini utawaza ndani yake mchana na usiku. Uangalie na kufanya yote yaliyoandikwa ndani yake, alafu utafanyizikiwa na njia zako zitakuwa zenye kubarikiwa na maneno utakayoyafanya yatakuwa vizuri. Amen. Amina. Oui, nous bénissons le Seigneur. Ndio tunamubariki Bwana. Depuis le début de cette année, toka kumwanzo ya hii mwaka, nous sommes en train de suivre des enseignements cruciaux pour notre vie. Tuafuata mafundisho lazima sana kwa maisha yetu. Dieu nous interpelle. Mungu anatuita que nous puissions prendre pour fondement. Tukamate kama vile msingi. Son fondement, lui, le fondement de Dieu. Msingi yake mwenyewe, msingi wa Mungu. Ce fondement n'est rien d'autre que Jésus-Christ et sa parole. Ile msingi ni mpaka Yesu Kristo na neno lake. Et pour ce premier trimestre ou le mois de janvier. Kwa hii sehemu ya kwanza miezi tatu, kwa hii mwezi ya kwanza, le berger nous a parlé de la parole de Dieu. Mwezi wa kwanza mtuwasemeza kuhusu neno la Mungu. Alléluia. Amina. Amen. Alléluia. Et nous continuons sur cette lancée là. Tunaendelea mpaka kwele njia moya moya ile. Bien sûr que c'est une prédication. Ndio inakuwa ni mahubiri. Mais que nous tirons de ces enseignements. Tunatosha katika ile mafundisho. Alléluia. Amina. Si on peut nous afficher notre thème. Batuandikie kishina yetu pale yulu. Nous avons comme pour thème ce matin. Kishina yetu subira nasema hivi. La Bible. Biblia. Deux points. Nukta mbili. Notice de Dieu. Kartasi iliyoandikwa na Mungu. Pour une vie de succès sur cette terre. Kwa maisha ya kuweza kwa hii dunia. Alléluia. Amina. La Bible. Biblia. Cette notice. Ile kartasi iliyoandikwa na Mungu. Que Dieu a écrite pour nous. Ile Mungu alituandikia sie. Pour que nous ayons du succès sur cette terre. Ndio tupate kuweza na kufanyikia kwa hii dunia. Autrement dit. Kwa kusema namna nyingine. Sans la Bible. Bila Biblia. Ou sans la parole de Dieu. Bila neno la Mungu. Il n'y a pas de succès. Hakuna kufanyikiwa. Amen. Amina. Le succès est en Dieu. Kuweza ni katika Mungu. Il dit dans sa parole. Anasema katika neno lake. Que les cieux et la terre. Kama mbingu na dunia. Passeront. Zitapita. Mais mes paroles ne passeront point. Lakini maneno yangu haitapita kamwe. Elles demeurent éternellement. Inadumu milele. C'est ça, cela sous-entend. Tunasikia pale wanasema hivi. Que celui qui s'attache à la parole de Dieu. Ule anategemea neno la Mungu. Il a la vie éternelle. Iko na uzima wa milele. Il ne passera pas. Hatapita. Mais il vivra. Ataishi. Alléluia. Amina. Parce que cette parole. Mwa hii neno. Demeure éternellement. Hii neno inadumu milele. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Si y a des problèmes dans ce monde. Kama pako matatizo mwa hii dunia. Si nous avons des nouvelles qui nous font peur. Kama tuko na habari atugopeshaka. Heureusement que nous avons chanté. Tulimba. Que nous sommes enfants de Dieu. Tuko watoto wa Mungu. Le Seigneur. Bwana. A fendu cette mer de la peur. Alipasula ile bahari na boka. Et il a noyé la peur. Na kamzamisha ndani boka. Oui, c'est vrai, il y a des nouvelles. Mzima kwa habari ndio. Il y a des situations. Kwa mahali. Qui ébranle l'homme. Iko na vunja mtu.
Et le monde est en ébullition. Na dunia isha kuchamuka. En agitation. Iko na ngaika. Pourquoi? Jua nini? L'homme Mutu cherche solution à ses problèmes. Iwa tafuta jibu kwa mambo yako nayo. À autre chose. Na vitu vingine. Le créateur du monde c'est Dieu bien-aimé. Muumbaji wa dunia ni Mungu mpendwa. Celui qui a fait les cieux et la terre. Ndio aliumba mbingu na dunia. Les choses visibles et invisibles. Ya kuonekana bisionekana. J'aime toujours une phrase que papa Kongola toujours répétait dans sa prière. Kosomo moja mzee kwa nasema katika maombi yake kila wakati. Il a fait l'infiniment petit. Alifanya mwisho na kwa kiloko. Et l'infiniment grand. Na mwisho munene. Alléluia. Amina. Il y a des choses qui sont infiniment petites. Kuko bitu kumwisho ni bidogo. Que nous ne pouvons pas le voir avec les yeux. Atuwezi kuviona na macho ya kimwili. Alléluia. Amina. Même dans l'air comme ça que nous voyons. Hata muhewa yetu tunasikia hivi. Il y a des micro-organismes qui peuvent circuler dans l'air. Kuko bitu za kuzunguka muhewa hii. Nous ne le voyons pas. Atuwezi na macho. Mais lui le créateur. Lakini yeye muumbaji. Il voit. Anaona. Il connaît. Anajua. Tout ce qu'il a créé. Yote aliumba. Ce qui est dans la profondeur de la terre, il voit. Ce qui est dans les lieux élevés, il voit. Alléluia. Amina. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, nous avons pris ce thème. On nous enseigne. On nous exhorte. À la lecture de la Bible. Qui est la clé du succès. Et c'est vrai, bien-aimé. Quand nous voyons, comme nous l'avons dit. Tukiona vitu tulisema l'homme est à la quête du bonheur. Mutu atafuta heri. Il veut être heureux dans sa vie. Anapenda kuwa na heri maisha yake. C'est une bonne chose. Ndio ni kitu kizuri. C'est pourquoi nous travaillons. Ndio maana tunatumikaka. C'est pourquoi nous quittons tôt le matin. Tunaamka asubuhi sana. Pour aller au service. Kwenda kukazi. C'est pourquoi nous créons parfois des entreprises. C'est pourquoi nous nous déplaçons. Les autres vont même sous d'autres cieux. Tout cela c'est quoi? À la recherche du bonheur. Alléluia. Alléluia. Le bonheur attire l'homme. Les autres vont plus loin. Pour se procurer du bonheur, il faut éliminer les autres. Les autres, pour se procurer du bonheur, il faut faire des choses contre nature. Mais nous, ce matin, le Seigneur veut nous instruire que cette Bible, elle est aussi sa notice qu'il a écrite. Il a l'indique pour que nous ayons du succès sur cette terre. Dieu tu pate kuweza kwa dunia. Bien aimé, laisse-moi te dire. Upendo acha nikwambie. Que le succès kama kuweza n'est pas dans l'argent que tu as à la banque. Aina mufezo kuna ku benki. Alléluia. Amina. Le succès kufanyikiwa n'est pas dans ta beauté physique. Aina kurembo wa mwili yako. Le succès kufanyikiwa n'est pas dans le nombre d'habits que tu as. Aina kupinga mavazi uko nayo. Le succès kuweza n'est pas par le renom de ta famille. Aina kwa kavumu ya jina ya jamaa yako. Il y a des familles. Kuko majamaa dont le renom kavumu est répandu sur toute la terre. Kisha kwenda dunia yote mzima. Mais moi j'ai quelqu'un. Mimi na mtu mmoja. Qui a un renom qui ne passe pas. Iko na kavumu haipitake. Le ciel et la terre passera. Mbinga dunia itapita. Mais la parole demeure. Neno la dumu. Cette parole incarnée. Ile neno balitia mumutu. En Christ Jésus. Katika Kristo Yesu. Son renom ne passera jamais. Kavumu yake haitapita kamwe. C'est de lui que nous parlons ce matin. Mutu asemeze asubuhi ya leo, asubuhi ya leo wapendwa. C'est de lui. Ni yeye. Que vient toute chose. Ndio bitu byote binafika. J'aime une parole qu'il dit toujours dans Colossiens. Na pendo mwana sema katika wa Kolosai. Que toute chose. Kama bitu byote. Ah, là j'aime beaucoup. Ila pendaka sana. Ont été créés par lui. Biliumbwa kwa yeye. Ça ne suffit pas. Ayene. La Bible ajoute. Bino naongeza. En lui. Ndani yake. Ça veut dire quoi? Manake nini? Qu'en créant, Pakumba, il n'a pas eu besoin de modèle. Ana lazima ya kufuatilisha. Il n'a pas eu de mots de tête pour réfléchir. Ana wakati ya kufikiri parce qu'en créant, kwa kumba, tout était en lui. Yote ilikuwa ndani yake. Et jusqu'aujourd'hui, tout est en lui. Baka leo yote ni ndani yake. Alléluia. Amina, amina. Et à la fin de ce verset, on dit. Na kumumisho na mstari anatuambia hivi. Tout a été créé pour lui. Yote biliumba kwa ajili yake. Alléluia. Amina. Créé par lui. Biliumba kwa yeye.
créé en lui, biliumbwa ndani yake, créé pour lui, biliumbwa kwa ajili yake. Alléluia. Amina. Alors bien aimé, pourquoi tu as tembé à kiburi? Sasa bien aimé, jua nini tutakuwa na bakuvimba tu baongea? Parce que tout t'a créé par lui. Comment na biote biliumbwa kwa yeye? Le monde a été créé par lui. Dunia ni yeye ndo aliumba. Alors pour bien vivre dans ce monde, kwa kuishi mzuri kwa hii dunia, nous devons faire recours à la parole. Tunapasha kuangalia neno. Alléluia. Amina. C'est-à-dire quoi? Manakeni. Recourir à la parole, kuangalia neno, d'une manière totale. Kwa namuna ya kueneana. Faire de la parole de Dieu, kufanya neno la Mungu, notre préoccupation de tous les jours. Maisha yetu ya kila siku. Le succès nous manque, bien aimé, dans ce que nous faisons. Kuweza tukosea wapenda kwetu tunafanya. Nous avons des problèmes qui perdurent. Tuko na mambo zinakawia. Nous avons des soucis qui nous rongent. Tuko na mashaka ziko na tuuma. Parce que nous ne versons pas notre regard. Juu atutie manga, kuangalia kwetu. D'une manière continue. Na ile vita endelea. Et soutenu. Nilasikamisha. Dans la loi de l'Éternel. Kwa namuna kuendelea kusikamisha katika sheria ya Bwana. Laisse-moi te dire ce matin. Acha nikwambia asubuhi ya leo. Le problème que tu as en famille. Mambo kunao mujamaa. Elle est écrite dans ce livre. Basha kuandika mwa kitabu. Il est pardon, le problème est écrit dans ce livre. Ile mambo chondo mwa kitabu. Le problème de mariage. Mambo ya mandoa. Il est là. Iko mpaka huko. Le problème de souci de santé. Mambo ya shaka ya afya ya vitu vyote. Iko mpaka huko. Il est là. Iko mpaka huko. Le problème d'enfant. Mambo ya watoto. Il est là. Iko mpaka huko. Le problème de survie. Mambo ya kuishi. Il est là. Iko huko. Bien-aimé. Wapendwa. C'est un trésor. Hii inakuwa ni hazina. Insondable. Hazina hawezi kuipima. C'est plus qu'un trésor. Inapita hazina. Ah, j'aime la parole de Dieu qui dit ceci. Neno la sema hivi. Que là où il y a ton trésor, pale pako hazina yako, là aussi sera ton cœur. Ndio pale moyo wako utakuwa. Alléluia. Amina. Une petite question. Ulizomwa kidogo tu. C'est vrai qu'il a déjà crié au Seigneur. Ndio usha kuamini Bwana. Tu viens à l'église. Unakia kanisa. Est-ce que tu en fais un trésor? Regardez comment nous courons le matin. Nous pouvons même venir à l'église en retard. Mais pour le trésor de survie de la chair, nous arrivons à l'aéroport même 30 minutes avant. Alléluia. Amina. 30 minutes avant. Même si on est malade. Même si on a des douleurs. Mais à l'église, tous les jours, non, j'ai mal dormi. Mais si c'est le voyage pour aller à Toronto, depuis 2h du matin, on n'a plus sommeil. Alléluia. Le Seigneur veut. Que depuis 2h du matin, que tu n'aies pas sommeil, que tu médites la vie. Lakini ufikiri uzima. Alléluia. Amina. Le trésor par excellence. Ini azina uzuri. Bien aimé, quand on en fait sien, wapen, ukifanya na kwa yako, non, le cœur va se réjouir. Moyo tafurahi. Vous savez pourquoi nous ne méritons pas beaucoup la Bible? Hein? Parce que nous n'avons pas encore découvert où nous le savons. Mais nous sommes dans la négligence. Quel est vraiment le trésor le plus parfait qui soit. Kama inakuwa ni hazina kamilifu kupita hazina zote. Alléluia. Alléluia. Le trésor. Hazina. Alors Dieu a créé le monde. Mungu akumba dunia. Vous savez, même ceux qui sont dans l'industrie, quand ils fabriquent quelque chose, ils y mettent toujours quelque chose qu'on appelle la notice. C'est pour permettre à la personne qui va recevoir l'appareil qu'il sache comment l'utiliser à bon escient pour qu'il en tire au maximum les profits. Alléluia. Amina. Quand vous n'avez pas de notice, vous allez abîmer les appareils. Amen. Amina. Et c'est vrai.
Na ni kweli. C'est parce que le fondement solide. Kwa maana msingi ya nguvu. Qu'a posé Dieu. Ile Mungu aliweka. Qui est la parole. Ni neno. Qui est Jésus. Ambaye anakuwa Yesu. A été rejeté. Il est tout pire. C'est pourquoi nous avons tout ce que nous avons dans ce monde. Ndio tuko na biote kuna mwe dunia. Amen. Amina. L'homme a rejeté la parole. Mutu alitupa neno. Qui donne l'intelligence. Amina pana akili. Qui donne la sagesse. Inapana hekima. Alléluia. Amina. Qui est clair. Amina angaza. L'homme rejette. Mutu anaitupa. Et c'est pourquoi. Ndio sababu. Le monde marche dans l'obscurité. Dunia watembea katika giza. Vous allez trouver des savants qui ont toute la science de ce monde, mais qui sont couverts de l'obscurité. Vous allez les entendre marcher nus. Alléluia. Vous allez les entendre avoir pour époux, pour épouse, les bêtes. Vous allez entendre avoir époux, épouse. L'homme ou la femme du même sexe que lui ou est elle. Alléluia. Amina. Le rejet de la parole. Nikutupa neno hili. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana. Nous avons des problèmes. Tuko na matatizo. C'est vrai. Nikweli. Les problèmes sont là. Tatizo ziko hapo. Mais dès que nous versons les regards. Tukiangalia tu. D'une manière soutenue, avec engagement de cœur, nous allons trouver les solutions à tous nos problèmes. Alléluia. Amina. Alors c'est pourquoi, Dieu sababu, même dans le domaine médical, hata kuma eneo ya kinganga, quand nous achetons les produits pharmaceutiques, tukiuza madawa ku pharmacie, il y a toujours des notices là-dedans. Kombaka karatasi cha kuandika. Vous allez le voir dans ces notices. On donne d'abord la composition de ces produits. Banasema hii dawa balitengeneza hivi. Ce qu'il contient. Bitu biko ndani. En matière de laboratoire ou de fabrication. Mambo vile balitengeneza kule kwa viwanda. On a mis ceci, cela qu'on a combiné. Banasema likamata hii na ibakachaka pamoja. Dans l'autre étape vous allez trouver. Ningine fasi mnaona banaandika. La posologie. Vile kuitumia. Combien de fois il faut les prendre? Kuikunya marangapi mchana? Quelle quantité? Bwingi wapata gani? Avec l'intervalle de combien d'heures? Na sangapi utakunywa? Vers la fin vous trouverez. Kumusha tutana. C'est pas de contre-indication ou quoi, je n'ai plus de contre-indication. Vile banandika machine za kuleta. Que ce produit? Ile dawa ile. Il est déconseillé. Banakataza. Exemple à quelqu'un qui boit. Kumutu anakunywa kampombe. Alléluia. Amina. Parce que lui-même le produit. Peut-être qu'il contient quelque chose qui n'est pas commode aux effets du dit produit. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Les fabricants ont le souci que ce que j'ai fabriqué, que ça ait les effets attendus dans le corps de quiconque. Prendra ces produits. C'est la même chose aussi bien aimé pour Dieu. Dieu a créé le monde. L'homme s'est détaché de lui. S'est rébellé. Akatomboka. Par son amour. Katika mapendo yake. Il nous fait cette lettre d'amour. Antufanyizie barua mapendo. Pour que l'homme. Ili mtu. Soit heureux sur cette terre. Akuwe mwenye heri kwa hii. Le vœu de Dieu bien aimé. Que tu vives une vie heureuse sur cette terre. Alléluia. Amina. La vie heureuse maisha heri ne dépend pas de nombre d'enfants. Aitegamie bwingi wa batoto. La vie heureuse maisha bora ne dépend pas de mariage. Aitegamie ndoa. Alléluia. Amina. La vie heureuse maisha bora ne dépend pas de nombre de maisons construites. Aiangalie bwingi manyumba cha kuenga. La vie heureuse. Maisha heri. Ne dépend pas de voyages. Aiangalie masafari. La vie heureuse. Maisha heri. Ne dépend pas de mets succulents sur la table. Aitegamie chakula mzuri kumeza. La vie heureuse. Maisha heri. Dépend. Inategamia. De la mise en application. Ya kutia mutendo. De la loi de l'Éternel. Sheria ya Mungu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que Dieu parle à Josué. Devi Mungu anasema na Yoshua. Que ce livre de la loi. Kama kitabu cha sheria. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Kisende mbele na kinywa yako. Josué. Yoshua. Médite le jour et nuit. Uifikirie usiku na mchana.
Ce livre de la loi est tellement source de succès. Hii kitabu ya sheria inakuwa pia chemuchemu ya kuweza. Que le malin a voilé les yeux de plusieurs. Ile muovu alifunika macho ya bengi. L'homme s'agite. Muti kuna angaika. L'homme a l'esprit ébranlé. Muti kuna moyo wa kuvunjika. Tourmenté. Mwenye kuvurugika. Plein de problèmes. Mambo mingi. Mais par sur quoi tout? Zaidi ya yote. Il est chrétien. Ni mukristo. Quand vous suivez, mukifuata, vous verrez, mutaona, le temps de méditation de la parole n'y est pas. Wakati ya kusoma neno na kufikiria aina. Dieu dit, Dieu Mungu anasema, que c'est ça la source de succès. Hii ndio chemuchemu ya kufanyikiwa. Ailleurs, il dit à Josué, fasi anamwambia Yoshua, Josué, Yoshua, nul akuna ne tiendra devant toi, atashimama mbele yako, tant que tu vivras. Wakati Église, kanisa, vivre selon Dieu, kuishi vile Mungu anataka, ce n'est pas seulement respirer. Aina tu kupumzika. Alléluia. Amina. Tout le monde vit. Kila mtu yuko naishi. Tout le monde respire. Kila mtu anapumua. Mais selon Dieu, vile Mungu anasema, tout le monde ne vit pas. Kila mtu asiishi. C'est pourquoi il dit quelque part, Mungu anambia fasi moi hivi, laissez les morts, acha bafu, enterrer leur mort, bazike bafu yabo. Je n'ai jamais vu un mort. Lui-même déjà enterré. Lui-même immobile. Lui-même immobile. Aller enterrer les autres. Dieu parle de vivants. Oui. Les hommes vivent. Mais en eux-mêmes ils sont morts. Pourquoi? La parole de vie n'y est pas. Alléluia. Amina. Colossiens, nous avons lu. C'est une interpellation. Il a quoi nous dit? Que la parole de Christ, nenu la Christ, habite au milieu de vous abondamment. Kae katika yenu katika utele. Ah, aujourd'hui, Léo, ce qui est abondant, il a quoi utele? Le TikTok. Il a quoi ni TikTok et ça? On a tout le temps. Tout le wakati yote. Jusqu'à même les doigts se chauffent. Ata kilo linaweza kupana moto. De la chaleur du téléphone. Kifukutu ya simu. TikTok. TikTok. Alléluia. Amina. Mais la parole. Lakini neno. Ambes. Chini, pembeni. Amen. Amina. On peut envoyer toute forme de blague. Uta kutuma maina yote ya mizaa. De gift. C'est quoi gift, hein? Gif. Gif dans le téléphone. Ah, ma gift. Oui. Hein? Les petits de ceux qu'on envoie pour ça bouge, ça fait mon je dois vivre. Les icônes. Les mots du Capitaine. Amen. Bien ville. Émoticônes. Ah, émoticônes. Amen. Ah, ok. Ah. Vraiment, ces images-là qui expriment les émotions, les sentiments. Il va pitcher automatiquement pour mon téléphone. Comment on a nié flash. Vraiment, on est devenu spécialiste. Mais la parole de Dieu n'est pas spécialiste. Et c'est pourquoi nous souffrons. Alléluia. Amina. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Parce que dans la Bible, il y a tout. La Bible peut me donner même la maîtrise. Quand je médite, quand l'abondance de la parole est là, là je devrais mal réagir. Là, on devrait prendre des solutions, des décisions graves. Mais quelque part, vous sentez la parole en train de résonner dans le cœur. Quand elle fait défaut, on réagit comme tout le monde. Alors c'est pourquoi il dit à Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vivre selon Dieu, c'est avoir sa parole. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Et celui qui a la parole na ule kuna neno, n'aura pas hâte de fuir. Hata kwa rao kimbia. Même devant la maladie, on ne fuira pas. Hata mbele ya magonjwa, hata kimbia. Même quand la peur, elle vient. Quand la peur vient, hata boge kifika. On sait unajua que le Seigneur kama Bwana nous donne la victoire. Atupatia ushindi. Alléluia. Amina. Et c'est pourquoi vous verrez des personnes yo, batu, qui ont de sérieux problèmes. Ababu kuna mambo mbuzi. Mais il est à l'aise.
comme un sans-foutiste. Oui, les problèmes sont là, mais il est confiant en Dieu, parce que la parole est pleine dans son esprit, est pleine dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Elle ne fait que la ruminer au long de la journée. Il est au service, vous le voyez distrait. Pendant que vous le regardez, dans son cœur, il est en train de confesser un verset biblique. Et c'est pourquoi même la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Quand la parole est en abondance dans le cœur, on parle selon la parole. On parle selon la parole. Quand il y a un problème d'écho, on parle selon la parole. On réagit selon la parole. On questionne Dieu. Que dans telle situation, ta parole dit ceci. Mais moi je vis le contraire. Alléluia. Amina. Là, c'est une forme de dialogue qui s'engage. La parole de Dieu attire la présence de Dieu. Amen. Parce que lui-même est la parole. Il est un avec sa parole. La parole il attire. Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, là où il y a la parole. Vous savez, le Saint-Esprit joue comme le rôle d'inspection. Quand il vient quelque part, il trouve la parole en abondance. Il vient. Il regarde. La parole est là. Il commence à voir quelle est la situation de la personne. Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui le trouble? Qu'est-ce qui le tourmente? Alors la parole vient. L'esprit vient. Féconder la parole. Et le miracle se produit. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 1 que la parole s'est faite chair. Bien-aimé, si tu t'attaches à la parole de Dieu, cette parole se fera chair pour créer le miracle que tu cherches. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand l'esprit vient, il vient trouver l'abondance de sa parole dans ta vie. L'esprit vient. Il secoue cette parole. Qui est créatrice. Cette parole va aboutir au miracle que tu cherches. Alléluia. Amina. Il va créer. Qui d'autre? La guérison. Nini bingine, uponyaji. Alléluia. Amina. Parce que Dieu guérit. Mungu anaponeshaka. Et il guérit encore. Tena anaponeshaka. Et il le fait encore. Anifanyaka tena. Des maladies graves. Magonjwa nguvu. Alléluia. Amina. La Bible dit crois seulement. Yule anasema amini tu. Croire à quoi? Kuamini nini? À la parole. Kwa neno. Amen. Amina. Dieu guérit, c'est vrai, il guérit. Mungu anaponeshaka ni kweli anaponeshaka. Il guérit encore. Tena anaponeshaka. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens ont été guéris de maladies graves et ont eu à rendre témoignage. Moi j'ai déjà eu à rendre témoignage de mon témoignage. Oui, le Seigneur m'avait vraiment, il avait éliminé. Il avait écrasé. Il a noyé dans la mer. Le pouvoir de la carie dentaire qui fracassait toute ma vie. Alléluia. Amina. Quand je vous ouvre, quand vous voyez ma denture, vous avez pitié. Il y a des caracasses là-bas comme s'il y avait des bombes. Mais le Seigneur a neutralisé cette douleur-là. Et ça fait des années et des années. Alléluia. Amina. Non, il guérit encore. Angana ponyesha. Alléluia. Amina. Cherchons Dieu. Tafuteni Mungu. Ah, je me rappelle des bons moments que j'ai passés sur les campus. Nakumbusha wakati mzuri nilipita katika ukule kwa campus kule. Pendant la pause. Wakati ya mapumziko. Ah, j'avais pas une autre distraction. Sikuwa na kazi nyingine ya kufanya. J'ai dévoré la parole de Dieu. Neno Mungu nilipepeta. Je l'ai mangé. Nilikula ile. Je l'ai avalé. Nilimeza. Alléluia. Amina. Je l'ai ruminé. Nikai tafuna. Sur le campus. Kwa campus kule. J'entrais dans le brousse. Niweke mapori. Je me casse. Mina jifiche. En train de méditer. Niko na soma. Alléluia. Bien-aimé. Quand Dieu voit son intérêt. Mungu akiona faida yake. Il ne peut que venir. Anza kusaidia.
Et j'ai passé sur le campus des moments difficiles. Kule campus nipita makati moya magumu. Des moments atroces. Makati manyakati ya nguvu. Mais le Seigneur est venu au secours. Mwana kunisaidia. Non, Dieu. Apana il Mungu. Est Dieu. Ni Mungu tu. Bien-aimé, quel est ton problème? Mamba kuni nini? Je te propose une solution. Shajibu. Prends la résolution ferme. Kamata mupango imara. Médite ce livre de la loi. Fikiri kitabu cha sheria. Alléluia. De tout cœur. Fais en ton trésor. Yako. Parce que la Bible dit, comme nous venons de le dire, que là où il y a ton trésor, yako, le cœur y est. Moyo wako itakuwa pale. Si tu ne fais pas de la parole de Dieu comme le premier trésor de ta vie, tu passeras toujours une vie chrétienne chancelante. Devant les épreuves, tu n'y tiendras pas. Devant les tentations, tu n'y tiendras pas. Dieu dit à Israël, je t'ai fait traverser le désert pour voir quelle est la disposition de ton cœur. Dieu veut savoir. Bien-aimé qui m'écoute ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Je te propose, remplis ton cœur de ce trésor et tu tiendras. Alléluia, devant quelques problèmes que ce soit, même devant la mort, tu ne tiendras plus la mort. Même quand on va donner les nouvelles dont parlait l'ancien Emmanuel dans sa prière, les nouvelles sont alarmantes. Les dizaines d'années passées, c'était encore un peu mieux. Mais aujourd'hui ça s'amplifie. Demain ça sera encore pire. Mais si tu as le trésor, tu seras toujours dans la paix. Tu ne prendras pas fuite. Alléluia. Bien-aimé, quelle maladie qui est en train de te faire fuir jusqu'à ce que la mort peut même survenir avant même le temps de la mort. Non, Jésus a vaincu la maladie. Yesu alishinda magonjwa. Alléluia. Amina. Il te demande une chose. Anakuomba kitu kimoja. Et le dépôt de sa parole. Kuwa tuna akiba ya neno lake. Ce qui fait la force. Inafanya nguvu. Des magasins que nous voyons dans la ville. Maduka tukalo mamuju. Ce n'est pas cet embellissement d'arrangement d'articles. Aina vile walipanga biashara. Mais c'est le dépôt. Ni akiba. Quand le dépôt est garni et fourni, vous pouvez aller acheter tout jusqu'à ce que vous ayez l'impression que maintenant les rayons sont vides. Retournez là dans les 30 minutes. Vous allez voir toujours les articles fournis. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux aimer la parole de Dieu comme tu aimes l'argent? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que tu peux faire maintenant l'inversion des valeurs? Que la parole prenne la première place. Tu es enfant. Mais dès que la parole prend la première place dans ta vie, tu vas amener des solutions dans la maison de tes parents. Au lieu que tu y amènes des problèmes, mais toi tu deviens la solution au problème. Alléluia. Amina. Parce qu'il y a des enfants qui amènent des problèmes dans le maison. Mais nous avons la grâce d'écouter la parole. Vous savez le rôle de la parole. Elle sanctifie, non, c'est merveilleux. Christ dit, Père, Baba, sanctifie-les par la vérité. Car ta parole est la vérité. Yako ni kweli. Bien-aimé, quand la parole habite en toi en abondance, kama katika utele, tu es sanctifié. Unatakaswa. Comme le pasteur l'a dit, et nous pouvons t'appeler saint. Kuita mutakatif. Saint de Dieu. Mutakatif. Parce que quand la parole vient, kama neno elle chasse les ténèbres. Inafukuza giza. Et les lumières. Na mwangaza. Alléluia. Amina. Et les lumières. Ni elle est claire. Quand il a fait entrer, ukiingiza ndani yako, tu vas sentir en toi l'agitation. Et l'esprit va te dire oui. Je suis en train de chasser telle chose. Tu dis ah, oh, gloire au Seigneur. Oh, sifa kwa Bwana. Amen. Amina. J'étais émerveillé par une parole qu'avait dite le pasteur. Ni frère sana neno moja mtu anasemaka. Qu'il arrive
qu'il arrive, inafikaka, quand je médite la parole, nikisoma neno je kufikiri, sens l'esprit m'expliquer la parole. Nasikia roho inasukuma kuneno. Je sens la compréhension de la parole. Kuelewa neno. Vous sentez même une joie. Unasikia ta furaha. Qui monte. Inapanda. Vous pouvez être seul. Utakuwa moya. Vous criez de joie. Utakufurahi na kucheka. Vous dites mais alléluia. Alléluia. Tu es dans ta chambre. Tu es au salon seul. Personne ne t'a pressé. Mais la parole est pénétrée dans ton cœur. Et peut-être que ça rencontrait un besoin que tu as. Et vous savez des choses comme ça pendant que tu médites. L'esprit vient. Tu commences à intercéder. C'est pourquoi j'ai dit que l'esprit est comme l'inspecteur. Il trouve que la parole est là pendant que tu médites. L'esprit t'explique la parole. Tu intercèdes, tu pries. Unaomba. Utashika kesho kapata inaria ya exaucement. Demain tu vas sentir qu'il y a une explosion ya majibu. Tu commences à chanter de joie. Unaanza kuimba furaha. Parce que Dieu t'a exaucé. Dieu Mungu alikujibia. Bien-aimé, wapendwa, ne cherchons pas ailleurs les sources de bonheur. Tusitafute fasi nyingine chemchemo ya heri. De stabilité dans nos foyers. Ustare katika mandoa yetu. De stabilité même dans la vie courante au service. Ustare katika maisha hata kukazi. Peu importe les agitations qui y sont. Aijali kuhangaika unasikia. Si nous avons la parole. Kama tuko na neno. Nous sommes plus que heureux. Tuko zaidi ya benye heri. Nous avons le bonheur. Tuko na heri. Nous avons la richesse. Tuko na nous avons la gloire. Tuko na utukufu. Et quand même vous chantez des cantiques. Ndata unaimba nyimbo. Vous allez entendre l'esprit bouillonner la parole qui était en vous. Ndio unachamuka ndani yako ndio ndani yako. Ça crée. Inaumba. C'est pourquoi vous entendez dans les églises. Mwesha katika makanisa. Dans les assemblées. Mama kutano. On chante un cantique. Ndanaimba wimbo. Quelqu'un crie de joie. Watu wanaimba furaha. Alléluia. Amina. Un seul cantique qu'on a chanté. Mwimbo mwatu wanatuimbia. Ça fait bouillonner la richesse qui est en lui. Il crie en toute liberté. Alléluia. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Quand la richesse de Dieu est là, on ne se tiendra pas fermer la bouche. On va crier. Alléluia. Parce qu'il a fait. Nous pouvons dire que non. La sœur telle, le frère tel exagère. Vous ne savez pas ce que l'esprit est en train de faire. La même parole qui nous a annoncé, lui le Saint-Esprit lui a fait comprendre la parole. Il ne sait se contenir. Il ne peut que dire gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous verrez les autres tenter même d'acclamer. Comme un fou. Il acclame. Mais il ne parle pas. Mais le cœur est en train de parler. Et le ciel est en contact avec lui. Bien-aimé, nous souffrons. Parce que nous avons mis en arrière-plan la priorité. Alléluia. Amina. Nous voulons être heureux. Nous voulons que notre commerce multiplie. Nous voulons que nos enfants réussissent. Qu'ils soient des modèles. Bien-aimés. Le seul souhait ne suffit pas. La notice est là. Chrétien ou pas. Je n'ai jamais vu un papa qui n'a pas le souci de ses enfants. C'est une bonne chose. Mais si on va à la source. Ah non. Dieu Mungu va bénir même les enfants. Atabeba, c'est pourquoi nous avons eu des témoignages de délivrance des enfants. Qui étaient des enfants shindikanao comme on dit en swahili. Mais qui sont devenus des serviteurs du Dieu tout-puissant. Alléluia. Que c'est merveilleux. À cause de la gloire. De la richesse. De la délivrance. Qui sont dans la notice de Dieu. On peut tout faire. Sauf avoir même 10 minutes de méditation. On peut rester à la télé. Les yeux secs de sommeil. Na una causa hata macho usitakuwa 5 minutes dakika 5 pour le créateur Dieu kumumbaji. Mais tu te retrouves dans ce monde qu'il a créé. Na huko mai dunia ambayo aliumba. Et tu veux être heureux. Unapenda kuwa mwenye heri.
sans faire recours. Mais le moteur va gripper. Na ata moteur itaribika. Tu n'as pas les notices. Auna na karatasi ya kusoma. Comment l'entretenir? Namna gani ya comment engager les vitesses? Namna ya kutia vitesse. Comment maintenir? Utashimama utakana je. Nous craquons parce que la parole n'est pas en nous même si nous la portons. Tuko na anguka kwa maana neno ndani yetu hata kama tuko nayo. Porter la parole à la main. Kuchukua neno mkono. Ce n'est pas avoir la parole. Haina kuwa na neno. Alléluia. Amina. Je dis même, je vais plus loin. Venir à l'église, ce n'est pas avoir la parole. Avoir la parole, croire en elle, s'y plonger, comme on a plongé dans l'eau nos frères et sœurs, totalement immergés. Quand c'est partiellement, le Saint-Esprit, quand il viendra, il trouvera la sécheresse. Il n'a pas un endroit où poser ses pieds. Alléluia. Amina. La parole, neno, c'est la plaine d'atterrissage dans ta vie du Saint-Esprit. L'Esprit est là. Mais pour qu'il vienne habiter, il trouve la parole. Ah, l'esprit est content. J'ai de la place. Alléluia. Amina, amina. Être dans un service à l'église, ce n'est pas ça avoir la parole. Avoir la parole, il le dit à Josué. Médite. Jour et nuit. Ah. Alléluia. Amina. Et puis quand il est là, comme je l'ai dit, il peut être au volant. C'est automatique. Hein? C'est automatique. Ce n'est pas automatique parce que nous devrons méditer. Mais c'est une manière de parler. Vous allez sentir qu'il est au volant, il passe à un verset biblique. Et l'esprit vient marier ce verset-là à une situation de la vie. Tu sortais de la maison un peu faible, peut-être. Tu viens de service abattu. Mais quand la parole est là, tu sens le courage. Tu sens le courage. Tu sens même la voix. Tu dis, ah non, Jésus est là. Je n'ai rien à craindre. Elle sanctifie. Elle libère. Elle apporte même l'apaisement au cœur. Elle t'a dit, tu livres au moyen. Là, on avait toutes les raisons de réagir de telle manière. Mais à cause de sa présence, de la parole en soi, on dit ça, j'accepte d'être humilié pourvu que j'ai la richesse que le Seigneur a mis à moi sa parole. Écoutons. Il y a des situations qui nous arrivent. Ce sont des situations seulement que le diable prépare. Son objectif, c'est mettre entre nous et la parole de Dieu une barrière. Parce qu'il sait, tant que la parole sera là, c'est ça même vivre comme, selon Josué, comme je l'ai dit. Tant que la parole sera là, tout problème, mambo yote, il y aura toujours une solution. Itapata mpaka jibu. Alors quand il vient, nakuya, il cherche atafuta par tous les moyens yote, de faire un mur. Atie kibambazi. La parole se sépare neno de toi mbali na weye, pour qu'il joue avec toi. Ndio akuchezee. Il te met dans la distraction. Tu commences le match chanter dans la bouche. Moi je suis chrétien. Mimi comme Christ. Moi je suis chrétien. Non. Garde le dépôt. Linda kiba. Comme l'a dit Paul à Timothée. Vile Paul alimbia Timoteo. Garde le dépôt. Linda kiba. Pour qu'en tout temps. Juko wakati yote. Même devant la tentation. Hata mbele jaribu. Il y a le dépôt en toi. Huko na kiba ndani yako. C'est comme Christ a vaincu Satan. Huko na kiswa alishinda shetani. Il a en lui-même le dépôt de ta parole. Yebo kwa na akiba neno lake. Il est écrit. Inaandikwa. Ah, le diable voulait même répliqué par la parole. Il a voulu tenter le Seigneur par la parole. Vous savez, le diable, Shetan, la parole, nous devons la voir
avec nous, pamoja na shie, en nous, ndani yetu, et pour nous, na kwa ajili yetu. Le diable n'a pas la parole pour lui. Ana neno juu yake. Alléluia. Amina. Il pouvait avoir la parole avec lui dans la bouche seulement. Mais en lui, il n'y en a pas. Ndani yake haina mo. Alléluia. Amina. Donc nous aurons même à vaincre toute forme de preuve. Nous sommes tout à chine nata aina yote ya vipimo. Tentation que le monde. Comme jaribu ile dunia. Alléluia. Amina. Bien aimé, je t'exhorte ce matin. Mupenda usukutisha asubuhi ya leo. Reviens aux bonnes habitudes. Rudia ku mazoezi mzuri. De méditer la parole de Dieu. Ya kufikiri neno la Mungu. Alléluia. Reviens. Rudia. Il y a des problèmes qui se résoudront de soi. Kuko mambo itapata majibu wenyewe. Sans qu'on te presse. Bila kuhubiri. Reviens. Rudia. À la méditation de la parole. Kwa kufikiri neno. Alléluia. Enferme-toi dans ta chambre. Ujifungie mchumba wako kulalia. Au salon. Kwa au musalon. Sous un manguier. Chini ya hembe. N'importe où. Lis, médite. Soma, fikiri. Tu ne comprends pas. Auelewe. Ce n'est pas ton problème. Haina mambo yako. Toi aime. Oui. Dès lors que qu'on nous a enseigné. Batufundisha. D'où vient cette parole? Ino natoka wapi? La Bible. Biblia. Inspirée de Dieu. Mungu alisukuma. Révélée de Dieu. Alifunua. Illuminée par Dieu. Inangaziwa na Mungu. Alléluia. Amina. Si je le sais, kama najua, cela me suffit. Ile kwangu natosha. Je ne recevrai pas un prophète qui viendra me dire que non tel verset ou tel chapitre ne devrait être là, fallait remplacer. Non, non. Stop. Pour qui a l'habitude de faire des choses sur la moelle, faut toucher. Le pasteur avait insisté, j'avais retenu. Nishigani mchukua kase maka. Pour ce qui concerne la Bible. Il y a des amis à Biblia. Elle a été inspirée une fois pour toutes. Mungu alisukuma mara moja kubioti. Alléluia. Amina. Je n'ai pas besoin d'un super prophète qui vient me dire que non, je viens de recevoir une autre révélation pour qu'on ajoute ou qu'on retranche. C'est lazima nabii wako kiasema inapata fulu moja baongeze au batoshe vingine. Alléluia. Amina. Elle est complète. Elle est suffisante. Isha kueneana inatosha. Elle est clôturée. Isha kumalizika, isha kumaliza yote iko ndani. Parce que si on donnait le temps aux gens. Patupatia batu wakati. Sinon mvurugo maisha kwa mudunia. Dans le tourment, dans ce monde. Vous allez entendre la Bible selon Simon. Parce que la Bible, ça vient de Simon l'indique. Alléluia. Amina. Chacun écrit sa Bible. Kila mtu anaandika Biblia yake. Selon le dessein de son cœur. Vile anapenda moyo wake inasema. La méchanceté qui est dans son cœur. Na ile uovu katika moyo wake. Pour couvrir cela. Donc funika ile. Il commence à citer des versets. Alors tu as ma mystère. Ah. Heureusement que Dieu a pris toutes les précautions. Alors, bien aimé, en conclusion, aimons cette parole. Et nous verrons les choses grandes que nous cherchons. Nous aurons la paix, notre délivrance, nous aurons la joie et le bonheur. Que le Seigneur soit béni. Bwana abarikiwe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Alléluia! Yonza Benabuya! Yonza Benabitaba! Souhanke Bokaba! Yonza Benelonga! Lelontango ebele. Nyoso emonani kalate suka ya mokili le nyoso awana se suki maho ma oh yawe papa mungu natondi nankanda lokola ntambo akongoloma solo alingine kobuma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Yo, I'm a big
yango. Alléluia. Zoto moté ma moli mon angaimbe na bonze. Yahweh.